tous et bienvenue dans les Appalaches. Aujourd'hui, on est sur la deuxième partie. On est sur la quête, hein, la quête personne disparue, hein, qui fait partie de la confrérie de l'acier. Hein, c'est la suite. Hein. La suite, la suite. Salut à toi. Avez-vous le temps de chercher Marcia maintenant? Elle pourrait être en danger. Oui, elle était censée faire un trajet jusqu'à Fondation. Mais un groupe de conscrits est revenu de là-bas récemment et personne ne se souvient l'avoir vue. Commencez donc par parler à son petit frère, Max. Il pourrait avoir une idée de l'endroit où elle est partie. Je vais continuer à espérer qu'il ne lui est rien arrivé. Si jamais quelque chose s'est produit, alors qu'elle était sous notre protection. Enfin, évitons d'y penser pour l'instant. D'accord. Donc faut que je reparle au gamin, c'est ça. Allez, on descend, on retourne voir le gamin. Vous êtes là pour m'aider à... Oui, c'est ça, oui. La dernière fois que j'ai vu Marcia, elle m'a dit qu'elle partait pour Fondation chercher quelque chose. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Elle devait faire un rapide aller-retour à Fondation, mais elle est toujours pas revenue. Je sais qu'elle me laisserait jamais seule de son plein gré. Non, mais quand elle m'a dit au revoir, elle m'a semblé très étrange. Elle m'a dit, tu sais que je t'aimerais toujours, hein? Elle dit jamais des choses pareilles. D'habitude, c'est ouais, « Tiens-toi bien, Max !» ou « Tais-toi, Max !» Son meilleur ami, Luis Ramirez, c'est peut-être quelque chose. C'est un autre conscrit. Ok, donc là, on va remonter. Allez, bouge! Salut, mec! Comment je peux vous aider? Qu'est-ce qu'a fait Marcia cette fois-ci? Oh la vache! Emma, mec! Disparue? Non, elle est juste partie faire une course à Fondation. Elle va revenir d'une minute à l'autre, c'est sûr. Bon sang, d'accord. Je peux pas supporter l'idée qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'en suis pas certain. Mais je crois qu'elle est avec la bande de guerre des pillards. Quoi? Bonne chance. Et je vous en prie, ramenez-la. Ok. Deux plans différents. Des conscrits qui ne savent pas à qui obéir. Et bon, on va directement là-bas. On va aller voir ça. Secourir. Allez, c'est parti. Allez! Avance! Que va-t-on trouver derrière cette porte? Il faut qu'on fasse quelque chose. J'irai moi-même, c'est de ma faute de toute façon. Je sais que vous avez envie d'aider. Mais on ne fait pas mieux que Shina et Dirk. Tout ce qui leur donne du fil à retordre s'avère extrêmement dangereux. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On te cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là là. Vous de venir ici. Pourquoi? Après nous avoir vendu. Je laisserai Marcia s'exprimer. Mais je suis certain qu'elle n'a aucune envie d'y retourner. Oh non, certainement pas. Et si vous arrêtiez de faire perdre du temps à tout le monde et que vous partiez? Quelle fine observation, détective. Mais ça ne vous regarde en rien. Si nous restons ici sans rien faire, alors ils mourront. Shina et Birk sont allés au quartier général d'AMS pour récupérer quelque chose, mais ils sont pas encore revenus. Marcia... Oh, merde. Je ne voulais pas spécialement que vous le sachiez, mais... puisque c'est le cas, pas la peine de tergiverser. Marcia ne reviendra pas avec vous. Elle suit Shina et Birk. Elle a déjà trop subi la domination de la confrérie. Vous pourriez faire quelque chose pour elle, pour une fois, et lui filer un coup de main. Ouais. Mais tu veux quoi? Je ne rentrerai pas à Fort Atlas. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions importantes pour moi, et je n'appartiens pas à la confrérie. On ne verse pas de sang dans la salle de guerre. Mais si vous levez la main sur elle, j'enfreindrai volontiers la règle. Ok, on n'a pas le choix en fait. L'un de nous ici, au lieu de faire confiance aveuglément à la confrérie. Assurez-vous qu'on s'attelle à sauver Shina et Birk. Une des nôtres? Vous le pensez vraiment? Je vous prouverai, Pierce, que je mérite ma place ici.
Je réparerai mes erreurs. Le fait que vous souhaitiez mettre votre vie en péril pour nous indique que vous faites partie de cette famille. Ramenez-les en vie et en un seul morceau. Je vous retrouverai à AMS, mais je rentrerai pas avec vous ensuite, par contre. J'ai une nouvelle famille désormais. Moi, je ne sais pas. Ok. Mais je peux pas en dire autant de mes associés. Alors du coup maintenant il faut qu'on se casse. Ok, donc on doit aller ici. Au souterrain, aller voir Garcia, au machin, truc. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous voici. Automated Mining Services vous souhaite la bienvenue dans le berceau de l'industrie. Merci. Les visiteurs sont priés de se présenter à l'accueil. Il n'y a pas d'accueil. Commencez à m'ennuyer. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un problème ? Bah alors, qu'est-ce que tu fous ? J'aurais pu m'en occuper moi-même, vous savez. Oui. C'est moi qui ai dû m'occuper de Max. J'ai pas l'habitude d'accepter de l'aide, alors merci. Bon, maintenant que le sujet est clos, nous devrions chercher des traces de Sheena ou Birk. J'ai déjà fouillé cet étage avant que ce mercenaire ne m'attaque, et je n'ai rien trouvé. Essayons de voir ce qu'on peut trouver là-haut. Et bah là-haut, il y aura beaucoup plus de monde, c'est logique. Oh la vache, ça, faut savoir que c'est une entrée ça, les mecs, oh. Donc là, faut fouiller dans le coin. Allez, coup de tatane. J'arrive. Oh putain! Ils sont des faits mains, ces cons. Désolé. Est-ce que quelqu'un veut un pruneau? C'est gratuit. Je fais ça avec plaisir. Attends, j'arrive. J'ai raté quelqu'un là. J'entends quelqu'un qui m'a appelé. Ah ! Ah ouais ? Moi non plus. Regarde. Hop là ! Non ! Hop là ! Bon, et on va y aller avec style. Eh ben t'es mouru, Lan. Voilà. Joyeux Noël, Félix. Là, y a rien du tout. Allez, on va continuer à fouiller. Donc là, on peut monter. Attends, je crois qu'on peut aller par là. Je l'ai identifié. Voilà. Donc je dois aller ici. C'est quoi ça? Examiner le collier colombe. Je connais ce collier. Ok. Et
C'est à qui ? Je reconnaîtrais ce collier entre mille. D'accord. Le collier de Birk. Yel le quitte jamais. Ma mère avait un collier similaire qu'elle portait tout le temps. Elle l'enlevait jamais. Je regretterais toujours de ne pas avoir pu le récupérer sur son corps. D'accord. Merci. Vous avez raison. Max et moi, nous nous souviendrons d'elle à jamais. Je pourrais vous parler d'elle à l'occasion, si vous voulez. Au moins, nous savons que Birk et Sheena sont bien arrivés à elle. Tout de suite, là. Continuons de chercher. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc là, trouver des indices sur l'emplacement des pillards. Sur l'emplacement des pillards. Donc là, il va falloir monter. Là, escalier. Donc là, on peut monter. Ok, on monte encore. Salut les filles. Bon, ça, j'en ai beaucoup trop, l'ultracite. Il n'y a personne. Donc là, on doit sortir et aller sur le balcon. Ok. Donc là, on y est. Et du coup, l'indice, il est là. Donc, il y a un mort. Attendez, là. Je les reconnais. C'est qui ? C'est l'un des pillards qui est parti avec Sheena et Birk. J'espère qu'ils vont bien. J'en ai assez. Du sang et de la mort. J'en ai assez de perdre tout ce que j'aime. D'abord ma mère, et maintenant ça. Vous avez raison. Sheena et Birk sont forts. Je suis sûre que ça va mieux d'un coup, toi. Allez, dépêchons-nous de les retrouver. Bon. Y'a quelqu'un ? Et ils vont être où eux ? Allez, on se dépêche. Donc on doit aller là. Ok. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que dit cette note ? Sheena. Ok. Une note de Sheena ? J'arrive pas à croire qu'ils se soient rendus. J'espère que ça veut dire qu'ils ont été pris vivants. Écoutez, les pillards sont une véritable famille. Le genre dont j'aimerais faire partie. Bien sûr, ils seront toujours ma famille. C'est juste que j'en pouvais plus de rester à cet endroit avec la confrérie. Un jour, ils comprendront. Si ça se trouve même, ils me rejoindront. Nous sommes presque en haut d'AMS. On doit plus être bien loin. Dépêchons-nous. Bon bah écoute, hein, on va continuer à monter dans ce cas-là, si t'es confiante au taquet. Alors attends, je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je vais prendre mon petit fémin. Essayez de trouver un moyen de l'ouvrir. Terminal nécessaire. Bah écoute, ça tombe bien, on a un terminal là. Ah, urgence de l'ascenseur, éviter le laboratoire de radiation. Ça doit être ça, ouvrir la porte. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, je m'en doutais. Là, ça va être la merde, non ? Allez, mon lapin ! N'aie pas peur ! Je viens livrer un colis ! C'est UPS ! C'est caché où elle ? Oh ! T'es où ? Ah, t'es là. Allez !
Au suivant. Y'a plus personne. T'étais caché, petit malin. En plus, il dit des gros mots. Ok, bah on y est. On y est. Donc, alors... Ça serait dans cette petite pièce-là. Sérieux? C'est vous et cette Camille qui donnez tout ce mal à mes mercenaires? Les Pumas n'ont aucune pitié pour ceux qui se tiennent entre nous et nos capsules. D'accord. Là ça pue. Là ça pue, je sais pas comment ça va se passer là. Tiens-toi prêt. Ok. Là y'a du feu. Quand même pas où je tire. Du monde. Là, il y a du monde. Ils ont mis le paquet. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, ça va faire boum. Ok. Il y en a d'autres. Ah ouais! Sérieux les mecs là. Wow. Ils sont sérieux? Oui, être ami. C'est bon là? J'hésiterai pas à te tuer. Bah viens. Ok, au suivant. Oh putain. Ok. Donc là on a un espèce de boss. Bon, s'il reste à distance, on va le fusiller. Sans problème. Attends, je vais mettre un petit coup de seringue. Non, j'ai dit par contre faut que tu restes à distance. Non, tu recharges à fond. Voilà. Là par contre ça pue. Allez, on va se remettre bien. Putain, la moitié de sa vie le mec. Allez, recharge. Inarrêtable, je vais te coucher mec. Mais couvrez-moi, t'es tout seul. C'est la fin pour toi. N'hésiterai pas.
Allez. Ah, faut pas trop que je vise près du carreau là, parce que ça va compter comme un mur. Ah, saleté. Oh, oh, oh. Ok, t'es là toi. Vous avez découvert où sont Sheena et Birk? Capturés. C'est bien. Ça veut dire qu'ils ont été pris vivants. Nous devons voilà, c'est découvrir ça. Où se trouvent ces cellules. Essayez de trouver des indices qui nous mèneraient à l'endroit où ils sont. J'en ai aucune idée. Mais cette ordure va payer pour s'en être prise à Sheena et Birk. Dépêchez-vous. Eh oh, 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 oh. Va chercher, toi. Bon, t'as un truc, là. Cherchez la clé. Ok, parfait. Donc, il y avait une clé cachée là. D'accord. Parfait. Donc, maintenant, je dois aller au hall d'entrée. D'accord, donc on se casse. On aura peut-être une surprise en allant dans le hall. Allez, bah on y va, on retourne au début. On va fouiller là-dedans. Bonjour. Sérieux, j'ai vis en pleine tête. Et ça a pas marché. Attends, c'est pas fini. T'es où? Voilà, là c'est touché là. Donc là, attention, il y a du monde. Ok. Nettoyé. Là ça ramène. Ouf. Wow, wow. Ah, dès qu'on vise dans la tête tout de suite. Parfait. Ah, j'ai oublié. Ah bah ils sont là. Vous allez nous sortir de là ou pas? Oui, détends-toi déjà. Votre aide. Ah. Vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là. Alors toi, faut que je te parle aussi, toi. Non, toi t'as l'air déjà moins causant. Ouvrez la cage. Donc ça ne marche pas. Alors déjà... Commande d'ouverture de la porte. On y est. Hey. Oui. Ok, maintenant. Bien sûr, dites-moi ce que vous avez à dire. Vous, Ramirez, Odessa. Vous m'avez montré que les membres de la confrérie n'étaient pas tous pareils. Mais je peux pas quitter la bande de guerre. Nous sommes une famille, maintenant. D'accord. J'aurais jamais cru qu'un jour, je me serais retrouvée à devoir faire un choix entre deux familles. Mais vous avez raison. Je peux pas abandonner les gens de Fort Atlas. Marcia, non. Pourquoi voudrais-tu retourner auprès d'eux? La confrérie est notre ennemi. Je compte pas intégrer la confrérie. Mais je peux pas abandonner tous ceux de Fort Atlas comme ça. Leur conscrit m'a aidé à le comprendre. Je suis désolée, vraiment. J'oublierai jamais la façon dont vous m'avez tous accepté dans votre famille. J'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion de nous revoir. Et que ce ne sera pas pour nous battre. Merci encore. Pour tout. On se retrouve à Fort Atlas. Ok. Bon, c'est déjà bien. Retournez voir le scribe Valdez. Hey. Ouais.
Ok. Bon, bah c'est bon, on se casse. On se casse, on va pouvoir retourner. C'est parti. Nous voilà au Fort Atlas. Bonjour madame, mission accomplie. Bonjour, conscrit. Ouais, bonjour. Je vois que Marcia est rentrée. Et elle semble plus joyeuse que jamais. Eh ouais, grâce à moi. Vous avez fait, mais... Ah, bien laisse joué. Tomber. T'inquiète. D'autres découvertes pendant votre mission? Cette lettre est inquiétante. Il semblerait que même avant Marcia, ces pumas et la compagnie de caravane des Montagnes Bleues étaient déjà impliqués dans des disparitions. S'il vous plaît, apportez ceci à Ramani aussi vite que possible. Ça va grandement l'intéresser. D'accord. Quête accomplie, les amis. J'imagine que vous ne savez pas souder par points. Si, ça peut se faire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Récompense du steampack, du radeway 2, un grenade, un bol en céramique, et puis... Dommage que l'observatoire soit dans cet état. J'adore. Rien d'autre. Eh bah écoutez, mais c'est parfait. C'est parfait. Encore une autre petite quête qui s'est bien passée. Et ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là tranquillou. Et on verra par la suite, pour la suite de la mission, parler au paladin Ramani des autres disparus. Et là, il y a une nouvelle quête qui va se lancer. Et ben, en attendant, moi, je vous dis ciao ciao. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans les Appalaches.